Lorsqu'on vit une relation d'amour à distance, elle est très contraignante dans la mesure où elle ne donne pas l'occasion aux amoureux de se voir au quotidien. Mm-hmm. Même s'ils font appel au téléphone, même s'ils font appel à la technologie, mais la présence humaine n'est pas la même chose que la présence virtuelle. Mm-hmm. En virtuel, on peut avoir l'impression de se voir, mais le virtuel ne peut pas remplacer le présentiel, le réel. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on s'engage dans une relation à distance, il faut évaluer ses propres forces. Mm-hmm. Tout le monde n'a pas la capacité émotionnelle de pouvoir entretenir une relation à distance. Il y a des gens pour qui c'est très difficile et on ne peut pas leur en vouloir. On va expliquer plus tard. On ne peut pas leur en vouloir. Il y a des gens pour qui une relation à distance doit être temporaire. C'est-à-dire que ils peuvent s'engager dans une relation à distance pour 3 mois, pour 6 mois, mais au bout de 6 mois, ils aimeraient soit rejoindre la personne, soit demander à ce que la personne les rejoigne. Oh, thank you. Mm-hmm. Donc, il faut pouvoir définir. Est-ce une relation à distance temporaire? Est-ce une relation à distance définitive? Mm-hmm. Parce que si, par exemple, deux personnes s'engagent à vivre sur 10 ans, 20 ans à distance, c'est autre chose. On a aussi des relations à distance qui veulent que, par exemple, l'un des conjoints soit en mission régulièrement. Du genre, il est parti pour 1 mois, il revient, il fait 2 mois sur place, il repart 1 mois, il revient. Ça aussi, c'est une autre façon de voir les choses. On a aussi des relations à distance où tout commence à distance, se concrétise à distance. Et parfois, c'est des relations très compliquées. Parce que quand tout commence à distance, se concrétise à distance. À un moment donné, l'une des parties aura l'impression qu'elle perd son temps. Et c'est pourquoi ce genre de relation-là, en général, ne dure pas. Voilà le contexte qui est planté. Maintenant, quelles sont les raisons qui peuvent amener des personnes à avoir une relation à distance? Il y a le travail. L'un des conjoints peut travailler dans un autre pays ou dans une autre ville. Où l'un des conjoints peut décider d'aller suivre des études, faire un stage approfondi. Mm-hmm. Vous avez par exemple votre épouse qui est médecin et qui voudrait aller se spécialiser. Donc elle est déjà médecin à la base, maintenant il doit aller passer 3 ans ou bien 4 ans de formation pour pouvoir se spécialiser. Mm-hmm. À ce moment-là, le couple doit réfléchir à comment entretenir la relation à distance. À ce moment-là, ce que vous lisez dans les journaux, dans les magazines, ne sont pas forcément applicables dans votre couple. Parce qu'on peut très bien vanter certains arguments que vous voyez dans les journaux, que vous voyez dans les films, mais chaque couple a sa spécificité. Et la façon pour AB de gérer leur relation à distance, quand ils sont mariés, n'est pas la même chose que Y et Z vont pouvoir le faire. Certaines personnes estiment que quand on vit à distance, on doit avoir une fréquence de rencontre physique. C'est-à-dire, par exemple, on ne doit pas passer plus de 3 mois sans se voir. Ça veut dire que les deux conjoints sont conscients de ce que tous les 3 mois, il faut créer du temps, choisir un endroit pour se rencontrer. Soit la femme va vers l'homme, soit l'homme va vers la femme. Mais toujours est-il qu'il y a une périodicité. D'autres vont estimer qu'ils peuvent gérer 3 mois à distance sans problème. Mm-hmm. Mais la relation à distance doit être un accord des deux parties. Une partie ne peut pas imposer à l'autre la relation à distance. Voilà. Parce que chacun vit l'amour à sa façon. Il y a des gens qui vivent l'amour, qui ont besoin d'attouchement, qui ont besoin de la présence humaine. Et donc, si cette présence humaine-là ne peut pas se faire pendant un long moment, genre 2 mois, 3 mois, ça peut effriter l'amour. Or, il y a des gens qui sont très disciplinés et qui peuvent, par exemple, passer 3 mois sans la présence de leur partenaire
autour d'eux, sans que cela ne pose un problème réel. Mais encore, quand deux personnes décident de vivre à distance, il faudrait que les deux personnes s'accordent sur la fréquence de leur rencontre, également sur les choses à faire pour entretenir leur relation pendant qu'ils seront à distance. Maintenant, il y a un phénomène qui tend à avoir cours aujourd'hui, c'est des gens qui vivent à l'étranger et qui décident par exemple de venir chercher des conjoints au pays. Voilà. Et après, leur imposent la distance. Mm-hmm. À ce moment-là, cette relation à distance n'a pas été négociée et ne découle pas d'un consensus. C'est un partenaire qui impose à l'autre. Vous rencontrez une jeune femme, vous la rencontrez en décembre, vous passez du bon temps au pays, mm-hmm. et puis fin décembre, vous lui dites, je rentre en Europe, mais on garde le contact. Mm-hmm. Pour combien de temps? Vous ne précisez pas. Mm-hmm. Est-ce pour un mois? Est-ce pour deux mois? Vous ne précisez pas. Le gars, il s'en va. Trois mois plus tard, il appelle. Six mois plus tard, il appelle. Et elle demande, mais tu reviens quand me voir? Il lui dit, je ne sais pas. Et maintenant, voilà que la fille va donc maintenant rentrer. Elle rentre dans une relation qu'elle n'a pas choisie. Parce qu'au départ, elle n'avait pas prévu que la relation serait une relation à distance. Et donc, beaucoup de relations se gâtent, se cassent. Parce qu'au départ, la relation à distance a été imposée par l'une des parties. Mais lorsque les deux parties s'entendent sur la relation à distance et sur les modalités d'animation de la relation, là c'est autre chose. Vous avez maintenant les cas des mariages où un couple a vécu sur le même toit pendant des années et maintenant par des contraintes professionnelles, l'un des conjoints, par exemple, va travailler à l'étranger. À ce moment-là, c'est tout à fait logique que les deux parties, par exemple, s'accordent. Mm-hmm. D'accord ? Puisque tu t'en vas travailler à l'étranger, mm-hmm. voilà ce qu'on va faire. Tous les trois mois, on s'arrange. Soit tu viens, soit moi je te retrouve. Parce qu'à la base, déjà, la relation a déjà été consolidée. Parce que la relation a d'abord été vécue mm-hmm. pleinement. Et puis maintenant, on passe à une relation à distance. Ce qui est différent d'une relation qui commence déjà même à distance. Parce qu'on peut commencer une relation en présentiel, et puis des années plus tard, elle devient une relation à distance. Mais une relation qui commence à distance et qui se nourrit à distance est un peu plus compliquée. Yeah. C'est un peu plus compliqué. Par contre, si une relation commence à distance et puis après elle devient une relation en présentiel, là ça va. Par exemple, il y a des gens qui se rencontrent sur Internet, des mm-hmm. gens qui se rencontrent par des agences de rencontres, ils commencent à distance, et puis après, ils se rencontrent et ils commencent à vivre ensemble. Donc, une relation à distance qui dure éternellement est très difficile à gérer. Par contre, si la relation à distance est temporaire, c'est-à-dire qu'on a commencé une relation en vivant ensemble, et puis après, l'un, peut-être grâce par le travail, est appelé à partir, ou l'étude est appelée à partir. Ça veut dire que la personne s'en va pour un temps bien défini et va revenir. Mais une relation qui commence à distance et qui se déroule uniquement à distance, sans projet de se mettre ensemble sous le même toit, est difficile à entretenir. Voilà. Okay. Francis, I want to ask a question, right? Apart from the fact that, okay, yes, they need to plan if the other party will need to come and meet either the man or the woman. Now, while they are living apart mm-hmm. or in a decent relationship, what are they supposed to do in order to keep their relationship going without any problem? First of all, communication. Okay. They need to communicate very smoothly. Mm-hmm. They need to trust each other. Mm-hmm. Here, trust is 100%. Because in the distance relationship, as soon as you start mistrusting your partner, as soon as you start suspecting, it's over. Because when you live together under the same roof, you may be suspicious. Mm-hmm. And the partner may clarify yes. very easily. But when you live in the distance relationship, as soon as there's suspicion, it becomes very difficult because you may spend the whole day
thinking about what the partner might be doing with other people. Mm-hmm. And this will just break you completely. Mm-hmm. So trust is important. Communication is important. Voilà. And then today we are very fortunate to have social media. So you can use social media to have day-to-day information on your partner. And your partner can also have day-to-day information about you. But again, you must make sure that you love the person. Because distance relationships are very challenging. Because the person that you can't see on a daily basis, it's sometimes difficult to stick to the relationship because you always have suitors around who you see every day, mm-hmm. and who can contact you every day. And then now you have your chosen person who is not there, but who is in your heart and in your thoughts. Mm-hmm. Now you need to battle in such a way that the person in your mind occupies more space mm-hmm. than the people around you. Mm-hmm. Because it's very easy to cheat when you are in a distance relationship. Yeah. Why? Because you don't see the person on a daily basis. On a daily basis. And so you may not have a problem of conscience. But when you live with the person, you quickly have a problem of conscience when you cheat. I mean, for sane people, because there are sane people who can cheat every single day without having any remorse. Yes. I'm not talking about those people. I'm talking about sane and normal people who believe that cheating is going astray mm-hmm. and that cheating is not good. Yes. Mm-hmm. Yeah, I'm talking about those people. So you need communication. You need a lot of trust. Mm-hmm. Then self-confidence. Because when you're self-confident, yeah. you know your worth. You know your worth. And mm-hmm. you don't need people to flatter you. Mm-hmm. You don't need people to come and tell you what you are worth. Because it's in this process of people telling you what you are worth that you may easily cheat. Because when you become confident, just because some people around you keep reminding you of how beautiful you are, mm-hmm. then you might start thinking otherwise, like, okay, maybe I should give this person a chance. Mm-hmm. But when you're confident in yourself and you love your person, mm-hmm. no matter the distance, you will stick to that love and to that commitment. Yes. Yeah. Mm-hmm. So trust is very important. Communication and then self-confidence. Voilà. Moi, je voulais parler justement d'un cas de figure. Il y a quelqu'un qui il rencontre une dame sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux naît un sentiment. La personne vient au Cameroun. Il se voit pour la première fois, ça se passe super bien. Et puis maintenant, il repart. Parce que maintenant, il faut bien qu'il reparte pour préparer les choses. Donc, ils se disent, ils sont en train de vivre la relation. Il n'y a pas promesse de mariage, mais en fait, il n'y a pas promesse de mariage tacite, mais il y a comme une promesse de mariage en vue. Bon, maintenant, ils sont en phase d'observation. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens, quand ils se mettent ensemble, ils te disent d'abord qu'on s'observe. Et pendant cette phase d'observation, il va dire des personnes très, très ouvertes d'ailleurs, il va dire, je sais que je ne suis pas au Cameroun. Je sais qu'il pourra t'arriver d'avoir des flirts, etc. Il pourra arriver que tu aies des relations ou quoi que ce soit. Mais seulement, je voudrais juste que tu fasses très loin de moi, ou alors que ce soit pas autour de moi, autour de mon entourage. Ou encore, il va dire que ce soit fait, mais ne mets pas ton cœur. Du moment où tu mettras ton cœur, je pourrais savoir à ce moment-là que c'est terminé entre nous. Quand un homme qui te parle comme ça, toi, ça devrait choquer. Bon. Ou est-ce qu'il est réaliste? Alors, là, c'est une relation ouverte. Et ils sont très complices. Hein? C'est une relation ouverte. Ça veut dire que l'homme a le droit d'aller voir ailleurs. La femme aussi a le droit d'aller voir ailleurs. Non, Francis, c'est pas que c'est une relation ouverte dans ce sens que tu as le droit d'aller voir ailleurs. En fait, c'est des noms. Enfin, on ne se dit pas, mais la personne
dit ce qui est dans la tête de chacun. Oui, mais ça veut simplement dire que c'est une relation ouverte, mm-hmm. mais qui n'est pas annoncée telle qu'elle. Mm-hmm. C'est-à-dire que le fait déjà de dire à son conjoint qu'on comprend qu'elle puisse avoir des aventures, mm-hmm. ça veut dire qu'en fait, on est conscient qu'elle aura des aventures mm-hmm. et qu'on lui dit déjà qu'il est mieux qu'elle s'arrange pour que ces aventures ne viennent pas détruire le couple. Le couple, exact. C'est une relation ouverte. Voilà. Les relations ouvertes sont de deux types. Mm-hmm. Il y a des relations ouvertes où on annonce de manière explicite. Mm-hmm. Nous sommes ensemble, mais chacun a le droit d'avoir des relations, d'avoir des flirts, des aventures. Avoir des aventures. Mm-hmm. D'accord ? Mais il y a aussi des relations où on ne le dit pas, mais on dit simplement de manière voilée, mm-hmm. ok, si de temps en temps tu t'égares un peu, il faut revenir à la raison. Ça, c'est une manière... N'oublie pas le sentiment qui nous lie. Voilà, le sentiment qui nous lie. Et ça, c'est aussi une manière déguisée de pouvoir dire à la personne, je suis conscient que notre relation est ouverte, mais mm-hmm. il ne faut pas que cette ouverture-là gâte les choses. Exact. Vous voyez mm-hmm. Maintenant, les gens sont libres. Les gens sont libres de s'accorder sur ce qu'ils veulent dans une relation. Mm-hmm. Il y a des relations où l'homme dit, par exemple, à sa femme, tu as le droit de coucher avec qui tu veux, excepté mes amis. Mm-hmm. La femme aussi va lui dire, tu as le droit d'aller avec n'importe qui, excepté mes soeurs et mes cousines. Tant que c'est fait entre adultes consentants, qui ont des valeurs morales qui dépendent de qui dépendent de les relations sont devenues trop un genre. Mais je dis, c'est pourquoi à la base, il faut définir le genre de relation qu'on veut. Oui. Et les deux doivent s'accorder. Aucun ne doit imposer à l'autre ce qu'il ne veut pas. Mm-hmm. Parce que si la relation à distance, c'est le moyen pour l'un d'emprisonner l'autre. Mm-hmm. On a des relations à distance ici où l'un des conjoints est très sérieux, mm-hmm. est fidèle, mm-hmm. fait tout pour que la relation marche, mm-hmm. pendant que l'autre partie mm-hmm. en fait à sa tête. Voilà. Et là, c'est pas juste. Mm-hmm. Personne ne peut emprisonner l'autre dans une relation à distance qui le rend malheureux. Mm-hmm. C'est pourquoi il faut s'accorder. Mm-hmm. La distance là, comment on la gère? Voilà. C'est la grosse question. Est-ce qu'on la gère comme chacun veut? C'est-à-dire que monsieur est là-bas, il a ses nanas, la dame ici, elle a ses pompiers. Mm-hmm. Ou alors, on se dit, on va faire l'effort que tous les deux mois, on se rencontre afin d'assouvir nos besoins, afin d'assouvir, parce que nous sommes tous humains. Mais si on trouve que trois mois, par exemple, tous les trois mois, ça sera compliqué, on peut donc dire, bon, d'accord, dans ce cas, donc, on se voit comment. Mm-hmm. Parce que le couple s'entretient. Mm-hmm. Un couple doit s'entretenir. Et cet entretien-là va déterminer la solidité du couple. Un couple qui ne s'entretient pas, un couple qui n'a pas de proximité, aura du mal à tenir sur la durée. C'est pourquoi, au lieu parfois que des gens s'excitent mm-hmm. pour une relation à distance, il faut se poser la question. Est-ce que je vais pouvoir tenir sur la durée? Mm-hmm. Et quelles sont les contraintes de ma relation à distance? Est-ce que j'ai la capacité? Si par exemple, il faut se voir uniquement tous les 6 mois, est-ce que je peux tenir 6 mois sans proximité physique avec mon conjoint? Mm-hmm. Dans ce cas, si je ne pas tenir, je dis non à la relation. Mais si je dis oui à une relation à distance, alors que sur 6 mois, je ne peux pas tenir, je serai en train de me mentir. Et là, je vais ouvrir la porte à l'infidélité. Parce que je serai dans une relation en train de tricher à gauche et à droite, mais tout en jurant que je suis dans une relation à distance. Donc, il faut être conséquent. Mm-hmm. Et je sais qu'aujourd'hui, mon discours peut être ringard. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui estiment que déjà même une relation en présentiel, on la gère de manière très superficielle. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont dans une relation, mais qui entretiennent des relations parallèles de manière éhontée, sans avoir de problème de conscience. Okay. Maintenant, quand on pousse plus loin, ça rend compte que ces deux relations à distance sont juste un prétexte. Sont juste une idée que l'on se fait. Mais en réalité,
c'est des gens qui sont dans une relation ouverte, mm-hmm. où chacun fait ce qu'il veut, mm-hmm. mais au nom du mariage ou bien au nom de la dignité, on préfère ne pas dire. Et on fait semblant mm-hmm. de trop aimer son conjoint alors qu'on le trompe, on voilà. la trompe tous les jours. Ok. Monsieur, je pose ma première question. Monsieur, nous sommes le 14 février. Pour tous les amoureux qui sont sur place, c'est sûr que si tu arrives dans n'importe quelle maison aujourd'hui à minuit, tu vas seulement entendre doucement. Pas chez moi. Vas-y doucement. Pas chez moi. Surtout prends ton temps, baby. Faisons-le doucement. La question c'est que pour quelqu'un qui fait la relation à distance, si tu mets l'oreille dans la chambre, tu vas entendre quoi? Ça ne sert pas. Ça sert pas. Tu mets quoi? Ton oreille dans sa chambre la nuit. Une relation à distance ne se vit pas comme une relation en présentiel. Voilà. Le 14 février dont on parle aujourd'hui mm-hmm. n'est pas considéré par tout le monde comme étant la journée où on doit exprimer son amour. Mm-hmm. Certains disent qu'on exprime l'amour tous les jours. Mm-hmm. Certains disent que le 14 février est une journée commerciale. Où on nous fait acheter plein de choses voilà. juste parce que les gens veulent se renflouer les poches. Maintenant, si quelqu'un choisit le 14 février pour exprimer son amour, ça veut dire que sur les 365 jours de l'année, il n'a pas trouvé un autre jour pour exprimer son amour. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire que quand il est dans une relation, il attend un seul jour dans l'année pour exprimer l'amour. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Est-ce que c'est normal que dans une relation, qu'on choisisse un seul jour pour exprimer l'amour? Voilà. Et donc, les autres jours de la semaine ne sont pas importants. C'est ça la question. Mais c'est comme on est en train de célébrer, on dit le 14, quand on est sur... ouais, ton calvino. Oh, non, mais quand on dit qu'on pour aller sur le 14 février, et puis suite à ta réponse, mais le 14 février, certes, ce n'est pas forcément... Le jour où nous célébrons, on se déclare l'amour, etc. Mais ça nous rappelle quand même qu'il y a un homme qui est mort parce qu'il a célébré l'amour de deux êtres humains. Donc pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas, est-ce que ça devrait forcément être une journée commerciale, comme certains disent, une journée commerciale? Pourquoi on prend ça comme si c'était une journée commerciale? D'accord. Pourtant, on devrait commémorer ce jour et ce serait comme un jour entre un couple de renouveler même leurs vœux d'amour. Vous savez, ça me rappelle deux ou trois choses. Mm-hmm. Ça me rappelle le 8 mars. Oui. Le 8 mars, 95% des femmes qui vont défiler en Kaaba ne connaissent généralement même pas le thème de l'année. Vérité. Mm-hmm. Et même l'histoire. D'accord. Connaissent même pas le thème, ni encore moins l'histoire. Mm-hmm. Deuxièmement, la journée du 1er mai. Beaucoup de personnes vont se disputer les t-shirts, mm-hmm. vont se disputer une bouteille de bière, alors qu'ils ne connaissent même pas le thème de l'année par rapport à la fête du travail. Donc, pour dire que aujourd'hui, le monde est fait de telle sorte que on a récupéré l'aspect commercial des événements et on a laissé tomber l'essentiel. Le sens et même l'historique de la journée. Bah ouais. Combien de personnes aujourd'hui, si on sort là, on interroge 10 personnes, il n'y a pas 3 personnes qui connaissent l'historicité de la journée de la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que c'est devenu une fête commerciale. Et donc, vous ne pouvez pas reprocher aux gens de célébrer la journée et en même temps de leur demander d'aller dans l'histoire. On leur a pas dit que l'histoire était importante. Donc, eux, ils se limitent à... C'est la journée où on exprime l'amour. Mmh. C'est la journée où il faut aller draguer. C'est la journée où cette fille-là, à qui je fais la cour depuis des années, c'est aujourd'hui que je dois lui dire que vraiment, mon cœur bat pour toi. Vous voyez? Et les femmes, elles ont choisi ça comme étant le jour où, si elles n'ont pas de cadeau, elles mettent fin à la relation. Mmh. Ah, on choisit que c'est le jour... C'est vrai. Non. Pas jusque-là, quand même. Mireille, j'essaie de lever le niveau. Je ne parle pas de toi. Non, je ne parle pas de moi. Je comprends. C'est vrai, pour ces femmes qui pensent comme ça. C'est dommage. J'essaie de lever le niveau pour dire que c'est un jour qui a été tellement banalisé, mm-hmm. mais alors négativement. Aujourd'hui, à partir de 20h, beaucoup de relations vont se casser. Beaucoup de filles
vont dire à des garçons, tu n'en vaux pas la peine, je ne veux plus de toi, ne m'appelle plus jamais. Oui, c'est vrai. Parce c'est que vrai. Le gars n'aura pas fait ce qu'il faut, c'est-à-dire acheter un cadeau impressionnant. Mm-hmm. Et en plus, même, ce qu'il et en plus même, certains même vont pousser le bouchon plus loin jusqu'à estimer que ce cadeau ne me mérite pas. Je mérite mieux. Donc vous voyez que ça, c'est devenu un fourre-tout. Un chantage, mais carrément. Je suis d'accord qu'il faut célébrer l'amour ce jour. Mais il faut le célébrer dans la dignité. Il faut éviter la surenchère émotionnelle. Parce que si, par exemple, un garçon a pour tout et pour tout l'argent pour acheter une plaquette de chocolat, il faut que la fille comprenne que c'est là les efforts du gars qui permet d'acheter une plaquette de chocolat. Exact. Et que ça ne devrait pas plutôt l'amener à l'insulter, à lui dire que ma copine a plutôt reçu X et pourquoi moi je reçois plutôt Y. Vous voyez? Mm-hmm. Donc c'est cette surenchère émotionnelle-là qui est en train justement de détruire la journée. Et vous irez même plus loin. Il y a des ménages aujourd'hui, il y a des femmes mariées, des hommes mariés qui ne vont pas honorer leur conjoint, mais qui vont aller honorer leur maîtresse, leur chisa, ou bien leur pompier, leur amant. Francis, c'est vrai. Et c'est là où c'est très grave. C'est vrai. Parce que quand vous êtes marié, vous estimez qu'un jour comme celui-ci, c'est le jour où votre moitié peut vous dire quelque chose de bien. Mm-hmm. Mais votre moitié ne le fait pas. Votre moitié ira faire des courses pour aller récompenser quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir avec votre ménage. Mm-hmm. Ce n'est pas sa mère qui va faire le cadeau, mais à une tisa ou bien à son pompier. Vous voyez donc que ça fait donc que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus d'accord avec la célébration du 14 février parce qu'il y a eu beaucoup d'égarements. Mais exactement, ça cause beaucoup ces égarements. Trop d'égarements. Il y a même des femmes mariées, il y a même des épouses aujourd'hui. Mais qui ont leur tiso, non? Qui ne passeront pas la nuit dans le foyer conjugal. Parce qu'en dehors des tisas, il y a les tisos aussi. Elles ont déjà programmé les deuils. Elles ont déjà programmé beaucoup. Voilà. On va partir. Elles ont programmé des deuils. Elles ont programmé des missions. Vice versa. Aussi, il y a aussi des hommes mm-hmm. qui ont programmé des missions. Mm-hmm. Ils sont partis hier et ils ne vont rentrer à la maison que jeudi soir ou bien vendredi matin. Écoutez, les mêmes parfois même dans la même ville. Donc vous comprenez donc que si vous êtes sérieux, cette journée a perdu de son essence. A perdu de sa valeur. Mm. Et certaines personnes ont préféré. Décalé en se disant, moi vraiment ce jour-là ne me dit plus rien. Célèbre mes choses tranquillement, je célèbre mon amour tranquillement, sans attendre ce jour-là. C'est ce jour-là par exemple que les mariés par exemple devraient par exemple organiser des conférences, des tables rondes pour discuter afin de savoir comment est-ce que ils ont fait pour pouvoir durer dans leur ménage. Par exemple, il faut que des mamans qui ont 50 ans de mariage par exemple fassent des conférences pour dire aux jeunes. Voici comment on a fait pour avoir 50 ans de mariage. Voici comment on a fait pour avoir 40 ans de mariage. Mm-hmm. Vous voyez, célébrer l'amour. Voilà, on revient. Il est 11h35. On va aller écouter le Vox Pop du jour. À Yaoundé, comme toujours. C'est Thierry Onde qui sait si bien le faire et trouver les personnes pour répondre à la question de savoir l'amour à distance, parlant justement comment faire pour le garder. On ne peut pas se célébrer facilement de ce que l'on aime. Dès que votre femme s'absente de vous, vous êtes tenté de faire certaines choses qui ne méritent pas d'être faites. Vous voyez? Il y a toujours de l'on dit dans la À distance, moi je ne trouve pas d'avantage si ça peut profiter, si la famille a un intérêt à gagner sur son voyage, par exemple. Si votre femme, votre ami se déplace pour besoin de service, ça fait du bien à la famille, compte tenu de ce qui pourrait lui arriver là-bas, mais on ne veut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Là, c'est les inconvénients aussi. Les avantages, si ça rapporte quelque chose à la famille. Et puis,
si c'est pour une durée déterminée, on ne peut pas se servir de s'attendre à épouse pendant longtemps. Mais vous êtes tenté de faire certaines choses qui ne mériteraient pas d'être faites. Hein? Là, c'est comme ça. S'il y a une autre question, je ne sais pas si je lui ai répondu à... Bon, est-ce qu'il y a un conseil à donner? Un conseil? Oui, à donner à qui? À qui, aux jeunes? Oui. Vous ne pouvez pas, j'ai dit, vous ne pouvez pas faire des omelettes sans casser les œufs. S'il arrive que votre femme parte en mission, vous allez faire comment? Vous êtes obligé de le supporter. Jusqu'à ce que, même si vous avez... J'ai dit qu'on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs, tout ce qui pourrait lui arriver là-bas. Vous-même, vous êtes également tenté comme votre femme aussi. Alors, c'est, d'après moi, c'est comme ça. Moi, je dirais que l'amour à distance n'a rien que des inconvénients. En ce sens que l'amour à distance, qu'est-ce qui se passe? Chez nous, chez les Bantous, on dit que la nature a horreur de vie. Donc, avoir des partenaires à distance, ça dit que c'est un peu de désordre. Il y a l'infidélité qui s'installe. Et ce vide fera de telle sorte que un, la femme ou l'homme aille ailleurs. Et il y aura beaucoup de malentendus entre vous. Et non seulement ceci, certaines personnes, la famille et d'autres personnes vont profiter donc pour s'ingérer. Ce qui fait donc que le divorce n'est pas loin. Et non seulement ceci, en tout temps, s'il y a des enfants parmi vous, qu'est-ce qui se passe? L'éducation ne sera pas équilibrée. Parce que les enfants ont toujours besoin des deux parents pour une éducation équilibrée. Les avantages, c'est que ça resserre les liens. On a l'impression de retomber amoureux, comme si c'était pour la première fois. Bon, maintenant les inconvénients. Tu ne peux plus le voir ou la voir comme et quand tu veux. Vu qu'il y a... Il y a une distance maintenant qui s'est créée. Donc, c'est tout ce que moi je peux dire par rapport. Mais sinon, lorsqu'il y a amour, la distance ne peut pas vous séparer. Pour moi, l'avantage de l'amour à distance, c'est ce mythe qui reste non découvert de la chose. Vous voyez, quand vous êtes à distance, quand le partenaire ou la partenaire est à distance, il y a des choses que vous vous dites que vous allez faire lorsque vous allez vous rencontrer, ce qui favorise beaucoup plus les pulsions de l'amour. Vous dites que bon, quand vous allez voir le partenaire, voilà, ça va se passer comme ça. Vous vous imaginez tout un feuilleton, quoi. Donc voilà un peu l'avantage que l'amour à distance peut avoir. Des pulsions nouveaux, des sensations qu'on ne peut pas ressentir quand on vit avec le partenaire. Maintenant, l'inconvénient de l'amour à distance, c'est que effectivement, on se sent toujours seul. Il y a toujours cette envie d'avoir une petite chaleur de son partenaire. On a toujours envie de peut-être se faire des petits câlins. On a envie peut-être de passer des moments très intimes avec son partenaire. Mais quand il n'est pas là, on ressent ce vide-là et parfois on se retrouve en train de se tourner vers d'autres personnes, ce qui entraîne l'infidélité dans les couples. Les inconvénients par rapport à l'amour à distance, l'homme peut facilement t'oublier et prendre une autre femme. Bon, les avantages en amour à distance, je ne vois pas les avantages, hein. Je ne vois vraiment pas les avantages. Je ne vois pas à quoi l'avantage en amour à distance, ce que ça peut m'apporter. Je ne vois vraiment rien. Nous devions vous encourager. Moi, je n'encourage pas l'amour à distance. C'est mieux quand vous êtes tout proche. Francis, après ceci. Oui, alors je me rends compte que beaucoup s'alignent sur ce que j'ai dit précédemment, mm-hmm. que l'amour à distance était très, très, très compliqué. Mm-hmm. Ça demandait beaucoup de force, beaucoup d'énergie et de détermination mm-hmm. à faire pérenniser la relation. Mais sinon, au quotidien, ça peut être un peu difficile. Mm-hmm. Et il faut dire que la définition de l'amour à distance doit être faite par les partenaires eux-mêmes. Mm-hmm. C'est-à-dire, l'amour à distance qu'on va vivre là, c'est comment? C'est pour combien de temps? Voilà. Parce qu'on ne peut pas s'éterniser dans une relation à distance. Aïe! C'est pour 6 mois, c'est pour 1 mois, c'est pour 2 semaines,
c'est pour combien de temps? Dis donc. Et maintenant, avoir l'honnêteté de dire, moi vraiment, 6 mois, je ne peux pas. Moi vraiment, 1 an, je ne peux pas. Que de dire oui au départ, et puis après devenir très infidèle, après commencer à tourner autour, voilà. Autour des relations, autour des aventures. Vous voyez, et parce que parfois, les femmes qui vivent des relations, qui vivent des relations à distance, parfois, finissent par devenir très infidèles. Ou des hommes aussi très infidèles. Parce que finalement, il n'a pas une seule relation. Il a 2, 3, 4 relations. Mm-hmm. Parce que, il ou elle a peur qu'on découvre. Et donc, du coup, va donc aligner plusieurs relations amoureuses. Mm-hmm. Parce qu'il sait que s'il se met dans une relation avec une seule personne pendant longtemps, la personne peut s'accrocher et finalement détruire son ménage. Donc, il vaut mieux avoir des contrats à durée déterminée. Oui. Des CDI ou CDI. Donc, la personne va donc enchaîner plusieurs aventures pour rester stable par rapport à sa personne, mais pas stable par rapport à la relation qu'il va entretenir. Et ça devient un fourre-tout. Donc, il faut être honnête, de se dire, je peux tenir, je peux ne pas tenir. Voilà. Ou je peux tenir pour tel nombre de temps. Si ça dépasse ce nombre de temps-là, je ne pourrais pas. Par exemple, une fiancée que vous gardez au pays pendant 5 ans. Mm-hmm. Soyez honnête. Vraiment. It's just like, there was a girl that posted 5 ans. Oui, 5 ans. J'ai une question, monsieur. Oui. J'ai assisté à une relation à distance où, mm-hmm. quand la femme se levait, le jour qu'elle dit qu'elle appelle son mari, allô, oui, bébé, c'est comment? Tu as d'ailleurs combien de femmes aujourd'hui? Donc, oui, combien de femmes t'ont regardé aujourd'hui? La question c'est, quel type de questions poser à son partenaire? Ça dépend de l'éducation de tout un. Ce que je veux dire en fait, c'est qu'il y a des femmes, lorsqu'elle appelle son mari, dans sa tête, on en parlait tout à l'heure, c'est que son mari a dragué, c'est que, il peut avoir des questions plus importantes. Qui peut aider même son mari à avancer? Ça dépend aussi de l'éducation de la femme. Pas seulement à distance, même en présentiel. Même en présentiel, il y a des femmes avec qui vous ne pouvez causer de rien. C'est ça? Oui, vous pouvez causer de rien. C'est-à-dire que si on enlève le sexe dans votre relation, vous ne pouvez plus rien vous dire. Rien, oui. Parce qu'elle n'a pas de sujet de conversation, elle n'a pas de hauteur, elle n'a pas de culture générale. Alors, vous faites quoi avec? On fait quoi avec ce genre de femme-là? Une relation entre deux personnes doit permettre aux gens de pouvoir évoluer. D'accord? La relation que vous avez doit vous permettre de grandir et d'être épanoui. Mais si la relation est plutôt stressante, si elle est plutôt toxique, vous faites quoi là? Voilà. Mm-hmm. Francis, there is somebody that posted, there's a girl that posted something on Facebook. I think I saw it in one of the bloggers in Cameroon, their pages. And she was like asking for advice from the followers of the blogger. She said that her husband, she has been in a distance relationship for like 5 years. Mm-hmm. And even before that 5 years, I've been dating for married for 5 years and the husband lives abroad, but she's here in Cameroon with her kids. Mm-hmm. Apparently he only comes to Cameroon to just, you know, impregnate her and goes back. That's what majority of these bushfallers. Yes. Those. Okay. Mm-hmm. So now her issue is, she said the husband has been gone for like 1 month, for like 1 year. Mm-hmm. And she's having this urge of, you know, sexual. Yeah, she wants to be intimate. She wants to be intimate. Yeah. And what she did, she was advised by her friends to buy this, I don't know how they call it. This we know those toys. So she has been using it and it's affecting her relationship because she's not sexually attracted to her husband again. Mm-hmm. Now her question, she's actually, she does not know what to do because at one point in time it's like, I already have a satisfaction somewhere, which is a sex tape I'm using. I don't want my husband anymore. Then why is she asking the question? Mm-hmm. She knows what to do. She has found the solution. Uh-huh. Why is she asking the question? Uh-huh. Okay, the question I want to ask is, now, apart from her, yes, because these are some of the questions that always come up. Mm-hmm. Like, how do you satisfy yourself? Like, especially when your man is not in the country. He goes out, maybe he stays out for like a year, 6 months, 1 year, he's not there. Trust me, Francis, you're a man, right? I'm a woman.
So how you as a woman, or even you as a man, how do you satisfy yourself? How do you satisfy that urge, especially if you want to? You know, it's nature has a kind of order. Yeah, okay. And every time we want to go against this order, we make mistakes. Yes, that's true. The intimacy is part of living. Mm-hmm. It's like eating. It's like breathing. You can't stop yourself from breathing. Yes, you can't stop yourself from breathing. Mm-hmm. You can't get up one morning and say, "I will no longer drink water." Yes. Yeah, I will stop drinking water. How long will you stay without drinking water? So, the sexual urge that we have is natural, and when you refrain from it, you may refrain for some time. But there will be a time when you won't be able to refrain any longer. Hello? And usually when yes, good afternoon. Good afternoon. Yeah, afternoon, good afternoon, sir. Yeah, it's a Kumbaman. Okay. Mm-hmm. Yeah, I heard Cathy's observation. Yes. Distance love is not all about sex. If you have your sex kids, you must still talk to your husband. How your future will look like. You are in Europe for 5 years, you have not even got a plot back home. Maybe your wife is renting, maybe your wife is not doing anything to cater for the kids, ramshackling the kids and so on. It's not all about sex. So your husband must beside you. You have to listen to your husband. Call your husband. And the last speaker, which is your guest, talked everything. He said everything, and he ended up of trust and communication. That is very important. Trust and communication. He said everything and ended what we ended up yesterday, trust and communication. And there are varieties of communication. There are three types of communication to me. We have the communication that is faulty. You lie to your husband, you lie. And another communication is sugar and honey communication. And then the last communication is faithful communication. Okay. Talking straight to your husband with all your mind. Then the sugar and honey communication is you may be talking to your husband in a honey mode while sexing at the same time with your boyfriend, which is very dangerous. Yeah. Ah. Then the communication that you are lying to your husband is your husband is working 8 hours a day. You call every top of the hour 8 times for 8 hours. That is communication that you are lying. You are not speaking the truth. Okay. Always calling. It's disturbing. The best communication is the faithful communication that you talk about your future. Daddy, how are you? Are you okay? You are fine. Please, Daddy, if I don't call you 2-3 times a week, don't just know that I'm busy. Daddy, what about the house that you say you will buy? What about the plot? What about our future? That is communication. It's not communication about sex, love, planning how your husband is like Cardino. I said one thing over the phone again. We'll call her. How many guests have you talked to them today? That is mockery. Mm-hmm. It's not good. But I appreciate what your guest has spoken everything about distance communication. He has spoken everything, and he ended in that key message that we ended up yesterday: trust and communication. But the communication must be the faithful communication. None of the one that you communicate and sexy at the same time, then communicating to your husband, talking sugar talks while sexing. Dangerous. Okay, thank you so much. Thank you. Yes. Okay, donc. So when it comes to this part, so when it comes to this part of
of urges. You need to look for a solution. If your partner and you have agreed that you can go for those toys, then it's part of the deal. But if you feel that you cannot stand the urge, then create time to travel or to have your guy travel over to meet you. Because when a partner starts craving for intimacy, it can lead to many things. Yeah. I don't want to overemphasize. Yeah, yeah. But craving for intimacy is not good. It's not good. Let the relationship be balanced, mm-hmm. and then find a way to address the issue of intimacy before it becomes a problem. Yes. Voilà, je crois que nous arrivons au terme de cette émission, ce rendez-vous spécial Saint-Valentin. Ce jour, on a voulu parler d'un sujet dont beaucoup sont touchés par ça, l'amour à distance. De plus en plus, on vit l'amour à distance à cause des contraintes professionnelles parfois aussi. On pouvait donner nos astuces. Mais sauf moi, je voulais quand même dire, Francis, que quand il y a amour à distance, là, c'est bien quand c'est Orange Money, c'est Western Union, il y a Wafa, oui, ça marche, ça fait un entretien si tu ne fais rien d'autre. On a oublié un aspect. Dans l'Afrique traditionnelle, mm-hmm. il y avait une façon de gérer les relations à distance. Voilà. Parce que le mari pouvait aller à la chasse pendant 2 mois, 3 mois. Voilà. La femme pouvait aller accoucher dans sa famille. Et rester 6 mois. Il y avait une façon de gérer, élégante de gérer ça. Mais vous voyez, on a été emporté par la Saint-Valentin alors qu'on aurait pu creuser afin de rendre compte à notre spectateur de comment l'Afrique gérait mm-hmm. les relations à distance qui ont toujours existé. Hein, ça a toujours existé. Exactement. Donc, peut-être qu'il y aura une émission où on parlera des relations à distance dans l'Afrique traditionnelle. Mm-hmm. On est dans le mois de l'amour. Le mois de l'amour. Et à ce moment-là, on va expliquer. Par exemple, madame accouche. Elle va faire six mois. Oui. Et fait les 6 mois là, lui permet également de faire une espèce de planning familial. C'est ça. Parce que pendant les 6 mois là, mm-hmm. le père ne peut pas la toucher. Exactement. Donc du coup, il n'y a pas d'accident de parcours possible. Exact. Mais la famille s'est arrangée à encadrer le père. Mm-hmm. Ça, on dira ça dans une autre émission. Et il préparait, il envoyait l'argent. L'argent, La nourriture, oui. chez la femme, là voilà. où elle est dans sa famille. Dans sa famille. Et ça devient que c'est compliqué aujourd'hui quand tu parles de faire des envois. On dit que tu es matérialiste. Oui. Pourtant, c'est pour entretenir. C'est ça, allez. Il fallait gérer le père. Non, il fallait gérer le père et la mère. Et on prenait les dispositions. Exactement. On en parlera. Ça se passe même encore aujourd'hui. On en parlera. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Cathy, plaisant d'être avec toi. Tonton Calvino, pareil. Je renouvelle mon amour pour vous, puisque c'est la fête de l'amour. On célèbre l'amour dans toutes ses formes. Demain, c'est un autre jour. Prenez soin de vous. Dieu vous bénisse. Ciao. Go, go, go. Oh.